Hello les amis, aujourd'hui j'ai un colis à ouvrir avec vous. Et c'est pas rien. Parce que, alors c'est un livre, c'est pas rien par la qualité du livre et par la quantité aussi du livre. Parce qu'il n'y en a pas un, comme vous pouvez le deviner, à la taille de cette boîte. Mais il y en a 20. Alors, vous demandez peut-être pourquoi j'en ai 20. C'est parce que je vais en offrir aux membres de la formation Partir de Rien. Donc la nouvelle formation Partir de Rien, la nouvelle session démarre le 25 février. Et donc chaque participant recevra un colis et dedans il y aura un livre. C'est un tout droit des États-Unis. S'appelle Strength Finder 2.0. Et c'est en fait un livre qui a vraiment changé pas mal de choses dans ma vie. Donc je vais les compter parce que si j'en ai pas 20, je suis mal parce que je vais avoir 20 participants. Ouais, c'est bon. C'est bon, il y en a 10, donc 20. Et en fait, ce livre, il a beaucoup changé mon parcours professionnel. Pourquoi ? Parce que c'est surtout un test. En fait, à l'intérieur, ici, il y a un bon à découper avec un code. On va sur Internet et on passe un test en anglais ou en français. Et ce test nous montre nos 5 plus grandes forces. Pas forcément nos meilleures compétences, mais nos meilleures aptitudes, là où on a le plus de potentiel. Et ça, c'est vraiment important. Moi, par exemple, ça m'a montré que j'avais une capacité d'être sociable. Okay, ça faisait partie de mes forces. Et jusque-là, moi, je pensais que ça servait juste à faire rire mes amis dans la cour de récré ou à faire rire mes potes à une soirée de foot, mais jamais professionnellement. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ouais, faut que je trouve un moyen dans mon business de mettre ça en application. Donc, c'est comme ça que j'ai monté des formations, des conférences, la conférence solopreneur. Dernièrement, j'ai lancé la rencontre solopreneur. Ça s'est super bien passé. On était 45. J'ai monté aussi des meet-up. Je sais pas, en tout et pour tout, j'ai dû rassembler, moi, sans mes partenaires, au moins 500 personnes durant ces dernières années en cumulé. Et je l'ai fait grâce à ce livre parce qu'il m'a montré que le fait que je sois quelqu'un de sociable, c'est pas juste pour le fun. Je peux l'utiliser pour mon business. Donc, j'ai commencé à créer des événements qui m'ont attiré des bons partenaires et des potentiels clients qui sont devenus des clients. Il y a une autre qualité aussi que j'ai découvert dans ce livre, c'est que j'avais, ils appellent ça en anglais « ideation ». Donc, je vous le recommande. Le test est en français, mais par contre, pour comprendre les résultats du test, quand on va vous sortir les 5 forces, ce sera en anglais, juste je vous préviens. Donc, en fait, j'ai compris que ma capacité à avoir des idées, c'est pas tout le monde qui l'avait. Que j'avais vraiment quelque chose de spécial. Et moi, j'ai des idées toute la journée. J'en ai plein. Et donc, c'est une force, mais il faut que je la canalise pour que ça reste une force. Sinon, ça peut se transformer en faiblesse. Et donc, le fait de se comprendre, c'est un pas très important pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si on ne se comprend pas, on ne peut pas réussir. Parce que c'est comme si je prends l'image du foot. Vous êtes un entraîneur, vous avez des joueurs, vous placez les joueurs en fonction de leurs forces, de leurs compétences, de leur potentiel. Sinon, vous mettez des joueurs au hasard et ça ne marche pas. Vous mettez un gardien en attaque, un attaquant dans les cages, en défense, ça ne marche pas. C'est pareil, sauf que vous êtes votre propre manager et vous avez en réalité 11 facettes dans votre tête, quoi. Vous avez plusieurs casquettes, ok ? Il faut gérer l'administratif, le marketing, la création de contenu, la communication, les réseaux sociaux, le community management, la création de produits, le networking, bref. Donc, si on ne connaît pas nos forces, on ne sait pas bien où se placer et si on ne sait pas où bien se placer, on ne peut pas exceller. Donc ça, c'est important que vous procurez ce livre. Si vous rejoignez la formation Partir de Rien, il reste quelques places, évidemment, vous l'aurez. Sinon, procurez-le vous. Donc, c'est très important que vous puissiez faire ce genre de test et vous comprendre. C'était Strength Fighter 2.0. Ciao, ciao!